bien, salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous? Moi ça va très très bien et nous sommes, comme d'habitude, en live pour la suite et sûrement la fin, ça y est, on s'en approche, d'Alien Isolation avec l'épisode 23. Il est possible qu'il y ait un 24e épisode mais qu'il n'y ait pas la présentation, voilà. Mais quoi qu'il arrive, on approche de la fin du jeu, ça y est, c'est terminé bientôt notre aventure. On avait remis les satellites en bonne et due forme. Dehors, évidemment, on était sortis en combinaison. Et là, direction donc le Torrance pour pouvoir amarrer. Oh non. Non, c'est bon. Plus de peur que de mal. Trouver un moyen donc d'amarrer le Torrance. Ouais, compris. On se casse. Ricardo, tu m'entends? C'était aussi long que ça. En tout cas, très belle ambiance, jeu magnifique, très très beau. Un véritable plaisir à faire, je n'ai aucun regret de ce let's play. Sachant que le prochain c'est Outlast, là j'aurais sûrement énormément de regrets, évidemment. Plus de bruit que ça. Ah! Allez, ah, oh, les problèmes. Alerte. Veuillez vous rendre à votre point d'évacuation et attendre des instructions. Ta mère l'hypopète, j'ai eu tellement peur. Bonsoir. Là, j'ai vraiment serré les fesses très très fort. Oh non. Non, non, non. Ok. Ok, ok, ok. Là, je fais quoi, là? Fais pas ça. Mais non, mais les gars, arrêtez de me dire de pas save devant. En vrai, je peux le faire, hein. Je peux le faire, hein. Save pas, meurt. Mais non, mais il va pas réapparaître ici, les gars. À aucun moment. Il faut que je save. Jamais de la vie, il va réapparaître ici. Rien à péter. Rien à péter. Oh là là. Ok. Et là, je rigole, je me rends boucle. Voilà, aucun problème. Bon, il pop bien là. Bon, il pop bien là, faudra s'en rappeler. Il pop bien là. Ok. Ouh. Bon. Il est mort. Il est mort, on l'a jamais aimé, personne ne l'aime. Ricardo. Oh,
d'atterrir sur mon front ou quoi, frère? Je crois que je suis passé près de la save. Hein. On est reparti pour un tour. Hein. Here we go again. Putain, je tremble. Je trompe sa mère. C'est pas un vigile l'alien, c'est ton daron frère à 3h du mat quand tu vas choper des gâteaux dans l'armoire, toi-même tu sais. Putain, sérieux, on peut save où ici, là-haut? Bien. Qu'est-ce qui se passe, nom de Dieu? Je sais pas ce qui se passe, mais... Sérieux. Je ne sais toujours pas où aller. Hein.
sais pas qu'il faut sucer pour save, mais putain. My body is ready, hein. Mais attends, mais j'étais au bon endroit, bordel de merde. J'avais lâché la manette et tout. Oh non ! Non ! Ah, regardez où on va pop, j'ai envie de mourir. Allez, dégage. Oh là là, non ! Quelle angoisse, j'ai rien compris. On passe 10 fois au même endroit, j'ai l'impression. Oh putain, c'est pas... C'est compliqué, hein. Oh, elle est là, la save. Sa mère l'hypopète, la save est là. Ça vaut le coup. Je m'en bats les couilles, j'y vais. Un mètre, c'est un mètre. Et 2 mètres, c'est 2 mètres. Sympa, on a fait en tout cas 85% du jeu accroupi. Les statistiques sont plutôt bonnes et font parler d'elles. Allez, on va se débarrasser de la sauvegarde maudite. Hop, parfait. Je sais même pas j'ai commencé quand, les gars. Il était 40 quand j'ai commencé, c'est ça? Dites-moi, tiens, d'ailleurs. Faut que je sache. Ici tout à l'heure. C'est mérité. Oh non, ça c'est... Ah ! Putain ! La racaille flicoise, merde ! Et comment je peux faire pour ces petites chiennes là ? Comment je peux faire pour ces petites chiennes? Je comprends pas. Il est temps de pomper, c'est ça? Ah.
Pardon? Genre, tu vas passer la porte là tout de suite devant moi? C'était gratuit. C'est quoi la fuite? On me déteste? J'ai rien demandé, moi. Quoi? Frère, c'est trop, wesh! Ouais, je suis mort. La mort vient de derrière, je suppose. Il y a la tête de ma mère, je vais en trouver un avant. Vas-y, tue-moi. Pardon. Voilà. Bon. Terrible. Alors. L'alien me chope. Je lui mets un coup de lance-flamme. Ça attire tous les humains de la Terre. Je me prends des coups de revolver. J'en perds un, je me prends le coup de l'alien. Les gars, il y a un moment où genre je peux vivre. Comme disait... comment il s'appelait déjà? Khaled? Non, c'était Faudel? Merde. Bon, quoi qu'il arrive, tout le monde veut vivre. Et ça, c'est bon. Il débarque comme ton daron si t'as... Tu vois le daron, il entend le moindre truc qui cloche dans la maison, tu vois ou pas? Genre tu t'embrouilles avec ton petit frère, ta petite sœur et tout, et il entend juste le aïe. Tu vois le aïe du daron qui... Il sent que ça a été trop loin quand tu t'es chamaillé, tu vois. Bah frère, il débarque pareil, il te casse la gueule, gros. C'est un truc de ouf. C'est... Ah ouais, non, le daron, il dort jamais la nuit, mon ref. T'inquiète pas, il est à l'affût. Il est au taquet. Bernard Taquet. C'est incroyable, mec. Le flic, il se dit, oh, attends, eh oh, pitchounou, clouloute, on va aller voir dehors ce qui se passe. Eh, je te jure, un daron, c'est comme un chien, frère. Toujours les yeux ouverts, en vrai. Ça dort les yeux ouverts, c'est des pharaons. Ouais, bah, toujours plus les bruits, les gars. Plus. Non, mais quoi? Il y a des bruits, vraiment, par contre. Il y a des bruits, mon ref. Je me demande si c'est mon casque qui a pas un problème, là. Je rigole pas, hein. Là, l'alien, il se ramène pas là. Là, l'alien, il tue personne là. Tu peux te chercher. Je vais encore bien trouver pour l'instant.
Je viens pas de voir la hyène les checker là? Et les croiser? Si on passe à l'épisode 24, il n'y a pas de save là? Oh non. C'est bon, là va y avoir une save. Allez, on va directement passer à l'épisode 24, hein, je pense. On verra s'il y aura un cut ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pouf. Transmission, succès déverrouillé. C'est peut-être bon signe. Flic en moins. La petite flicaille. Petite salope là. J'imagine la tête qu'elle doit avoir à faire ça. Gauche droite comme ça dans la vraie vie. Putain, je suis mort. Oh, ça me ferait rien. Oh les problèmes. Oh les problèmes. À mettre des chaussons, hein. Pardon. Non, rien à péter. Qu'est-ce que je prends ici? Je suis mort. Je suis mort.
Frère, il marche. Maintenant, il marche sur le bout des watts, frère. Il est... Allez, dépêche! Merci aux clients fidèles. Ok. Hop. Quoi ? Oh non, frère. Code 1851. Notre avenir, je m'en branle de notre avenir, il est mort. Au rapport. Vous avez mis trop de temps. J'ai été obligé de boucler cet endroit et de prendre le dernier transit. 1851, notez-le. On ne peut pas se permettre de laisser le sanctuaire grand ouvert. Oh les galères. Il suffit qu'une seule créature s'infiltre et toutes les provisions et armes qu'on a ramassées seront foutues. Mes proches et moi, on va rester jusqu'à ce que les secours arrivent. Je suis navré. Mais quand vous avez commencé à poursuivre un vaisseau qui ne viendrait jamais... Vous avez dévié du plan. Sinclair terminé. Merci Bob. T'as compris ? Oh bah là, désolé YouTube, vous allez voir que dalle. Rien à péter. Je veux bien souffrir, mais faut pas abuser. Oh, c'est là la matrice ? Oh là là! Bon. Cette session est vraiment pas facile. Allez. Encore les gars là. Ouais, je me fais attaquer par un vagin, frère! Non, j'avais gagné en vrai, j'avais gagné. Au début, je croyais que c'était un bug. Je me suis dit, attends, putain, t'ouvres la porte, les cartons, ils se mettent en place, tu vois. Mais couillasse, hein.